Écoutez, même si ma grand-mère s'est réveillée de sa tombe et qu'elle me demande de pardonner Mary, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. On a moyen. Le babouche que j'avais acheté hier. Ha! Ogini. Pas de problème. Choma, c'est ta sœur. Où est le mal si les sœurs se partagent des choses? Et d'après toi, elle est ta sœur aînée. Dis-le-lui, ma sœur. Dis-le-lui, je vais t'entendre. Hein? Ujua? Ujua? Ujua, écoute. La prochaine fois que je vais parler sur ces tons, je vais te laisser des cicatrices éternelles sur ton visage. Ne blague pas avec Allez, moi. Allez, parle avec ta bouche, non, je me touche pas. Je vais te gifler sur le pain. T'es malade? Qui a demandé ton avis? Et quant à toi, madame, je sais tout. Ochoma, la défenseuse. Attends, Camille est très longue date, tu devais me connaître, mais c'est très évident que tu ne me connais pas. S'il te plaît. Si tu n'as aucune idée intéressante pour contribuer dans ces problèmes, prends ton corps et dégage. Non, n'essaye pas de m'énerver. S'il te plaît, on est désolé, on pensait qu'on te disait de bonnes choses. Elle est ta sœur, ce qui t'appartient lui appartient. Il n'y a pas le mal si vous partagez les choses. Ah, oh, Ébéré, Ébéré, peu importe là où tu te trouves, ne songe même pas à rentrer à la maison. Parce que si tu rentres, tu ne sais pas ce qui va t'arriver aujourd'hui. Même si elle est ma grande sœur, aujourd'hui, je vais m'occuper d'elle. Je la remettrai à sa place, elle verra. Elle ne me connaît pas bien. Et toi, idiot, à la place de tes terres, tu prends sa défense. Je parle et tu parles. Tu te blagues avec moi dans cette maison. Je vais en finir avec toi aujourd'hui. Je vais t'étrangler. Ne me cherche pas, chérie. Tu es là-haut. Tu vois de tes yeux. Tu vois ce qu'elle fait. Ok. Hé, ça c'est combien? J'ai pris ça à 500. Hein? Ils avaient enlevé 100 naira pour moi. Alors, c'était à 400 et ça à 300 naira. C'est pas vrai. Ça, ça va aller avec Faka. Tu vas me dire à le trouver, n'est-ce pas? Et celui-ci? Ah bon? 200. Ébéré, c'est vraiment très bien. Ébéré, Tchoukou. Maintenant, je vois qu'Ébéré, tu me cherches des problèmes. Tu me provoques. Quand je vais me mettre en action, les gens ne sauront pas que c'est toi qui m'avais provoqué. Ils vont commencer à dire Choma impoli. Elle n'a pas de respect pour les aînés. Tu vas payer ces babouches que tu portes. Quand je l'avais acheté, tu n'avais pas contribué, même avec un Nera. Tu vas me payer l'argent que je l'avais acheté. Tu ne resteras pas avec une dette. T'inquiète pas, je suis là. Tu m'avais cherché. S'il te plaît, c'est à cause des babouches que tu m'insultes. Je me rappelle lorsque tu mettais aussi mes babouches, mes chaussures, mes habits, sans ma permission. Et juste à cause de ces babouches que tu n'as même pas achetées toi-même, tu m'écris dessus. C'est vraiment ça. Est-ce que c'est même pour toi ces babouches? Ça, ce ne sont pas les babouches qu'on a achetées au marché, moi et maman. Ah oui, son Naira. Et tu viens créer, c'est comme si c'était à toi. On ne saura même pas faire les transports avec les montants de ces babouches. Mon Dieu va te punir. Chama. Mon Dieu va te punir. Arrêtez ça. Arrêtez. Chama, respecte-toi. Arrêtez les femmes. C'est quoi ça? Tout ça à cause de toi. C'est à cause de toi qu'elle me manque de respect. Tu vois? Bravo. C'est toi, Ébéré. Es-tu malade? Tu cries à tout moment comme une chaîne. C'est à moi que tu vas comme ça? Tu vois? Arrêtez. Tu lui donnes du courage de m'insulter. Madame, je sais tout, idiote. Allez, donne-moi mon argent. N'importe quoi. De quelle babouche es-tu en train de parler? As-tu vu ce que tu as causé? L'as-tu vu? L'as-tu vu? Grande sœur, je n'ai pas de respect. Je suis impoli. Évitez-moi dans cette maison. Ne touchez pas à mes affaires. Tu me pointes. Évitez-moi, oh. À cause de tes babouches. Oui, oui. Arrêtez avec mes histoires. Évite-moi. Donne-moi 200. Donne-moi. Mes babouches coûtent 2000 et non 1000. J'ai acheté l'original. Regarde bien. C'est pas les faux. Si, c'est pas ce qu'elle t'a dit. C'est pas du pirate. C'est de l'original. Évite-moi. Tu connais mon caractère. Tu sais que j'ai pas de respect. Évite-moi. Oui. D'ailleurs, c'est incomplet. Arrête de porter mes histoires. Je sais que j'ai pas de respect. Je suis impoli. Donc, arrête de porter mes histoires. Toi, qui idiote, qu'est-ce que tu racontais? Je suis venu pour toi. Tu vas voir aujourd'hui. Et Abba, ça, ce n'est pas Abba. C'est l'original. Vas-y, va acheter encore de ma bouche originale. Il y a des choses très chères de cette qualité même. C'est quelle méchanceté, cette fille. Oh no!
chauffe aujourd'hui en prière. Tioma va conduire la prière aujourd'hui. Je suis. Arrête de faire ces bêtises. Conduis-nous en prière. Nous voulons prier et tu commences à faire des histoires. Conduis-nous. Louez l'Éternel. Alléluia. Louez l'Éternel. Alléluia. Louez Jésus. Alléluia. Louez Docteur Jésus. Alléluia. Hey. Je ne vous ferai pas perdre le temps. Je ne vais pas beaucoup parler. Parce que vous le savez déjà. Que Jésus revient bientôt. Qu'il reviendra certainement. Il viendra juger tous les êtres vivants. J'aimerais nous demander qu'on fasse un examen de notre vie. La manière dont tu mènes ta vie aujourd'hui, est-ce ça le plan de Dieu pour toi? Est-ce que la façon dont tu mènes ta vie, c'est la plaie à Dieu? Maintenant, j'aimerais utiliser ce qui s'est passé la semaine passée pour nous parler. Comme sœur Hébert ici présente. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, ma sœur. Depuis tout ce temps, toutes ces années, tu sortais avec Emeka. À la forêt, dans la brousse, à la rivière, partout. Maintenant, tu veux accepter le neveu de Koudilé. Tchoma. Est-ce ça le plan de Dieu pour toi, ma sœur? Tchoma, arrête. Eh oh, écoutez-moi ça. Tu me poses cette question. Est-ce que je m'en... Arrête, dis-moi. La ferme. Pourquoi est-ce que tu racontes des bêtises? Non, il ne faut pas la suivre. Oh. Tu es en train de prêcher ou bien de prier? Je ne sais pas où. Je vais partir avant que le pire ne soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Loué soit Jésus. Loué soit Jésus. La ferme. Je dis la ferme. Arrête des bêtises. Je dois déjà aller dans mes affaires. Comment on appelle ça encore? Maman, c'est l'esprit qui me guide. Dieu. Tu parles aussi de l'esprit. Non, moi je dois aller m'occuper de ce que je devais faire. Fermons tous nos yeux. Parce que nous allons prier. Oh, merci Jésus. Oh, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Nous te louons et te remercions pour cette journée. Au nom de Jésus. Amen. Tchoma, ce que tu viens de faire signifie quoi? C'était quel genre de prière? Fais-moi passer, s'il te plaît. Je suis désolée. Ce n'était pas de ma faute. C'est la faute de pas, qui? Ma soeur. Quand j'ai prié, j'ai senti quelque chose monter. Ça montait à moi. Et voilà après, l'esprit a fait sortir ça. Tu continues de mentir. Au lieu de demander pardon, tu mens. Depuis quand le Saint-Esprit est devenu un esprit de confusion? Ok, désolée. Désolée pour toi-même. Ah! Ma soeur, désolée, ça ne se produira plus. C'est bon, il n'y a pas de problème, c'est bon. Ojoa, aide-moi à aller acheter du lait pour que je fasse le petit déjeuner pour papa. Grande soeur, s'il te plaît, n'aimez pas beaucoup de lait parce que ça me donne envie de... En ce que je sache, maman a déjà mis toute la provision. Si tu en as besoin, tu n'as qu'à aller te servir. Grande soeur, toujours là, on achète. Tchoma, ce que j'ai envoyé Ojoa à l'acheter, ce n'est pas pour toi, c'est pour papa. Tu m'as bien compris. Hey. Hébert et ma chérie. Papa. Depuis que je t'ai donné naissance, tu ne m'as encore jamais déçu. Tu fais toujours de ton mieux pour rendre ta mère et moi heureux. En papa, tout cas, ça c'est une bonne manière. Ça c'est et bien. Et je promets oui. de toujours la garder. Oh non. Laisse-moi finir. Je dois te remercier. Merci beaucoup de toujours faire de ton mieux pour garder ta mère et moi heureux, et aussi de toujours être très juste. Tu es toujours juste avec nous. Et encore, je dois te remercier de toujours être commode. Tu es toujours très commode et toujours en train de corriger les mauvais comportements de tes sœurs. Ma chérie, tu es vraiment une merveille. Merci, papa. Tu es un merveilleux cadeau. Merci. Je promets que moi et mes sœurs seront toujours véridiques, loyale et respectueuse dans cette maison. Heureux de l'entendre. Je suis Merci, très papa. Heureux d'entendre ça. Merci, papa. Si tu te conduis toujours ainsi, ça sera merveilleux.
Et sache également que tes sœurs t'observent. Si seulement tu continues de conduire ainsi, oh, ça serait une chose très merveilleuse. Papa, je promets, la paix régnera toujours dans cette maison. Ça, c'est bien. Amen. C'est toi qui as préparé cette soupe? Oui, papa. Oh, je m'en doutais. Je sais très bien de quoi tu es capable. C'est très bon, en tout cas. Chai! Cet homme, ce principal, ne connaîtra pas la paix. Il ne connaîtra pas le bonheur. Pourquoi tu dis ça? Donc, il a demandé de coucher avec moi juste parce qu'il voulait me donner une simple promotion. C'est même pas comme s'il voulait me mettre l'assistant du superviseur. Ou soit la directrice d'un autre département. Juste pour me transférer d'un département à l'autre. Il veut coucher avec moi. Cet homme est très méchant. Donc, s'il avait accepté ou te proposé de devenir assistant, tu allais coucher avec lui. Hey, ma soeur, qui ne va pas accepter? Hey! De cette façon, ça allait être bien. Attends, tu aimes quelqu'un dans cet état? Oh Seigneur, tu es comment? Tu ne vas pas réussir. Tu adores la souffrance. Écoute, si je deviens l'assistante du manager, tout le jour le matin, je serai obligée de sortir, aller déposer les jus par-ci par-là, rencontrer de nouvelles personnes. Sais-tu là où tu vas rencontrer ton mari? Tu ne sais pas. Et de cette façon, ma mère ne sera plus obligée de quitter la maison très tôt matin parce que je subviendrai à ses besoins. Laisse ma mère tranquille. Tais-toi. Tu n'as pas honte. Qu'est-ce que hein? Tu sais? Je vois parler. Que vous adorez souffrir. Toi, tu adores souffrir. Là, tu adores la souffrance. Vous adorez la souffrance parce que moi, je sais très bien qui je suis. Je vois déjà mon manoir. Voilà pourquoi je vous dis, dans cette vie pour réussir, il faut être sage. Il vous faut la sagesse. Oh mon bébé, mon, gars, mon joli bébé, mon argent que tu m'as prêté, mon étoile de diamant, personne n'est comme toi. Tais-toi. Tu sais si tu me déranges encore, tu l'auras plus. Je t'aime beaucoup, je te le jure. Chijoke, hey. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Continue à chanter mes louanges, ça me fait tourner la vraiment, tête. Vraiment, ton cœur bat pour moi. Si je ne me marie pas avec toi, avec qui d'autre? M'épouser. Je vais t'épouser. Oui, je vais t'épouser. Dis-moi ce qu'il faut, je vais le faire. Rien. Rien. Je suis ton cœur, ton corps. C'est vrai. Ton âme. Ton tout. À moi, Mo. Chérie, regarde. Celle-là n'est pas ta sœur. Viens t'asseoir ici, chérie. Je savais que tu allais avoir peur. C'est vraiment quoi cette blague? Hein? Viens t'asseoir, c'était une blague. Tu sais que je n'aime pas ça. Lâche-moi, ne me touche pas. C'est pas bien, je ne suis pas d'accord avec toi. Arrête. Je sais que tu allais avoir peur. Mais c'était juste une blague. Hey, madame, apporte-nous la nourriture, apporte ça. La viande, la viande, la viande. Plus de viande? Non, non, tu viens de dire d'en prendre deux. Oui. Tu vas grossir et... La famille est une forte union que chacun peut avoir. Peu importe l'argent que tu peux avoir, nous aurons toujours besoin de la famille. Je veux que vous puissiez vous aimer. Vivons dans la paix, s'il vous plaît. Oh, que la paix règne entre vous toutes. Maman, elle n'est même pas. À chaque fois qu'elle cause ou discute, dès qu'elle me voit, elle change directement dessus. C'est comme si j'étais une étrangère. Mba. Chouma, tout ça, c'est parce que tu parles beaucoup. Tu exposes toujours notre famille. Hein? Tu dois arrêter ça. Je ne t'aime pas. Oui. Je ne t'aime pas. Et c'est parce que de nous tous qui sommes là, tu es la seule qui nous cause toujours de troubles dans la maison. Voyez-moi celle qui ouvre sa bouche. Arrête. Maman, elle dit ça en ta présence. Ça suffit. Écoute, je n'aime pas ça. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami. Je vous demande d'arrêter. Ne commencez pas, je refuse. Je venais à peine de le dire. Je veux que la paix règne entre vous les filles. Vivons en paix. Vous connaissez comment je vis avec mes sœurs. On s'était jamais chamaillés. Et c'est parce qu'on se respectait mutuellement. On ne faisait pas ce que vous faites, non. Alors vivons dans la paix. Vivons dans la paix entre vous les filles. Arrêtez de faire ce que vous faites. Choma, je suis désolée. Désolée de t'avoir parlé de cette façon. Oh, merci, Adam. Adam, merci. Regarde, nous t'aimons. Écoute,
Même si nous fermons nos bouches lorsque tu t'approches de nous pendant que nous parlions, ce n'est pas que nous te détestons. Nous t'aimons toujours, sœur. Je suis désolée. Mais elle te parle. J'ai entendu. Tu as entendu? Ok, comme je t'ai en train de dire, je veux l'amour. Hein? Merci beaucoup, maman. Merci à vous toutes. Chioma. Chioma. Hein? Ah. Je comprends pas, elle n'est pas ici. Ok. Je ne sais pas où elle est. Oh, the Father, we are jointed with the Son. We are children, Choma, of God's kingdom. We are family. We are one. Ne vas-tu pas aller avec nous à la répétition? Oh, oh, je ne viendrai pas. D'ailleurs, je n'aime pas les chansons de cette semaine. C'est ennuyant. Il n'y a pas de problème. Je veux que tu fasses pour moi une faveur. Ok, demande. Je veux que tu m'aides à préparer les dîners. Le riz et le haricot, comme ça quand les parents vont revenir, ils vont trouver un truc à manger. Ok, pas de problème, je le ferai. Merci. Mais quand ce sera mon tour, tu devras aussi m'aider. Je le ferai. Certes, moi. Qu'est-ce que tu dis? J'espère que tu as nettoyé. S'il te plaît, aide-moi à les laver. Hein. Que je t'aide aussi? S'il te plaît. Pas de problème. Merci. Ça ne dérange pas. Ok. Yes, of the Father, we are jointed with the Son. We are children of God's kingdom. We are family. We are one. We are head. Ces frères-là ne saluent pas les gens. Si tu ne les salues pas, il ne va pas non plus te saluer. En quoi il est frère? N'importe quoi. Tu te réveilles un matin et tu l'appelles. Tu n'as qu'à fermer ta bouche si tu n'as rien à dire. Est-ce que tu comprends? Ce mec n'est pas du tout sérieux. Aujourd'hui, il a amené une autre. Il va encore amener une autre cette semaine. Oui. Mais que voulez-vous? Oga Oujou. Il fait l'œuvre du Seigneur. Attendez, oh. Vous venez à peine de la maison des dieux. Vous venez de prier le Seigneur. Vous avez même désiré la gloire des dieux. Maintenant, vous faites les commérages. Une vraie commère. Sans cesse. Ce n'est pas dans un mauvais sens. Avant que nous puissions pécher. Quand on voit quelque chose de mal, il faut exactement le dire. Cet homme n'est pas sérieux. Quand il parle avec les filles, il ne les regarde il ne fait que regarder sur la poitrine. Les poitrines de filles. Heureusement que je ne suis pas la seule à les remarquer. Il regarde dans une derrière. La poitrine soit aux fesses. Oh, c'est quoi ça avec vous? Taisez-vous. Mettez-vous nous. Bon. Elle risque de tomber sur son piège. Toi. Écoute, on y va, Joe. Zinzin. Allez, va-t'en. C'est à ton chef que tu parles ainsi. Arrêtez ça, Oujou. Ebele Chukou commence à dépasser les bords. Bien. Ebele Chukou commence à faire des bêtises. Où est Ebele Chukou? Maman, quand mes soeurs quittaient la maison ce matin, je les ai dit. Laissez-moi vous aider à préparer quelque chose comme ça. Quand papa et maman reviendront, ils vont trouver de quoi manger. Tu sais ce qu'elle a dit? Quoi? Choma, tu te mêles toujours de ce qui ne te regarde pas. Hey! Toujours, maman m'a insulté telle que je suis là. Elles ont fait ça? Oui, maman. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je les attends ici. Je les attends ici et je verrai qui est le chef dans cette maison. C'est quel genre de bêtises? T'inquiète, je les attends. Elles sont là. Et t'es fatiguée, elles sont là. Hey. Maman? Maman, bonsoir. Es-tu malade? Qu'est-ce que tu fais, maman? Eh bien, les Chukou, es-tu folle? Réponds-moi, es-tu folle? Maman, je suis désolée. Ai-je l'apparence de quelqu'un qui est contente de toi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh maman, je suis désolée, nous... Lorsqu'on avait terminé la répétition, on s'était regarde-moi encore, c'était imbécile. De nettoyer l'église, voilà pourquoi nous sommes rentrés en retard, maman. Oui, maman. Nous sommes vraiment très désolés. Hein? Donc vous avez préféré aller à l'église au lieu de préparer la nourriture pour la maison? Non, maman. C'est ça? Maman. Oh, Guinée, qu'est-ce que c'est? Quand tous les deux vous quittiez la maison, je vous avais supplié. Je vous ai dit, dites-moi ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois cuisiner? Comme ça, quand papa et moi reviendront, ils vont trouver la nourriture prête. Mm-hmm. Vous m'avez dit, madame commère, madame, je sais tout. Tu m'as même insulté. Mais dis-moi, pourquoi tu es en train de mentir comme ça? Maman, elle est en train de mentir. Arrête, fermez vos bouches maintenant. Fermez vos bouches maintenant. Approche-toi ici. Approche. Maman, s'il te plaît, j'avais dit à Tchoma de
Tu es une maman. Laisse-moi te plaît, maman. Tu es toi. Tu es une maman. Tu es maman. Tu as dit quoi? Tu n'as pas voulu que je ne mangerai plus ici. Je te parle d'un bête. Je ne te parle pas aujourd'hui. Je te frappe aujourd'hui. Tu sauras. Tu es une maman. Tu es une maman. Tu es une maman. Tu n'obéis pas. Maman, s'il te plaît, non. Maman, laisse-moi. Qu'est-ce toi aussi. Allez, viens ici. Maman, tu la frappes pas bien. Chérie. Nai. Cela a été très mal. Tu sais, tu peux très bien corriger un enfant sans pourtant avoir le frapper. Nai, tu as raison. Je suis très désolée. Je suis vraiment désolée. Oui, oui. C'est juste que j'étais très fâchée. Et d'où provenait ma colère? Choma m'avait dit qu'elle les avait suppliées. Mmh. Elle les avait suppliées pour les aider. Mais elles avaient catégoriquement refusé. Tu vois, pourquoi ne pouvais-je pas me fâcher? Ah, donc tu crois vraiment cette grosse menteuse. Choma, tu crois toujours en tout ce qu'elle te raconte. Toi et moi savons que la seule vérité dans sa vie, c'est que son nom est Choma. Choma est la seule vérité dans sa vie. Nai, désolé pour ça. J'espère seulement que tu ne les as pas vraiment frappés. Je vais commencer à faire attention. Hey, tu as dit la vérité. Mais la vérité est que, à cause de la colère, je ne savais pas qu'elle était en train de mentir. Ah, je t'en prie. C'était sous l'effet de la colère. Je comprends. Mon je mari, comprends, s'il te plaît, pardonne-moi. Oh, s'il te plaît, tu m'as pardonné. Ce n'est rien. Tu m'as pardonné? Pourquoi pas? Voilà pourquoi je t'aime, mon mari. Hey, Je t'aime, chérie. D'accord, mon mari. Ok, laisse-moi te trouver quelque chose à manger. Parce que je crois que tu as faim. Parce que tu n'as rien mangé. D'accord. Alors laisse-moi te préparer quelque chose à manger, chérie. Même si ça ne sera pas pour moi, mais pour ton estomac. Hey, Nam. Qu'est-ce que je fais pour que tu puisses m'aimer autant, chérie? C'est parce que je te considère beaucoup, mon amour. D'accord, c'est pour toi que je le fais. Si tu n'es pas si méchante, si tu n'es pas non plus une Jézabel, comment tu peux promettre de faire quelque chose si tu ne le fais pas et quand on revient, tu commences à mentir? Sincèrement, tu le fais expressément. Comment tu peux dire aussi que tu es une grande sœur et agir ainsi? Vois comment tu mentais. Tu mens comme tu respires. Dieu te jugera pour ça, sache-le. Le même Dieu va te punir pour ne pas avoir utilisé ton cerveau. Attendez. On vous avait dit tous les deux que moi, Choma, je vais vous aider à faire tout ce que vous m'avez demandé. Mais vous êtes malade et vous avez accepté. Vous êtes folle. Je te l'avais dit, non? Grande sœur, je t'avais prévenue. Tu vois, un serpent restera toujours un serpent. Tu as vu le résultat. Sorcière. Vous croyez que j'avais oublié? Tout ce que vous me faisiez dans cette maison, je vous ai eu honte. Jim, Choma, s'il te plaît, j'aimerais que nous oublions ce qui s'est passé hier. Je suis très désolée. Restons toujours unis. Grande sœur, c'est pour ça que tu m'as appelée ici. Oui. Tissons encore nos liens. Ebere Chukwu, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Laissez-moi tranquille. Partez calmement dans votre coin et laissez-moi tranquillement seule dans mon coin. Non. Pardonnons-nous juste mutuellement et redevenir le cerf encore. Je suis désolée. Nothing can ever mean this world to me like family. Nothing can take away this bond we share forever. Whenever you're in need, just call and I'll be there. You are my blood, you are my family.
are my blood, you are my family. Nothing can ever mean this world to me like family. Nothing can take away this bond we share forever. Whenever you're in me, just call and I'll be there. You are my blood, you are my family. Je vous aime toutes. Yeah. Mon bébé, oh, c'est qui, oh, bébé, oh, mon amour, ma chérie, mon amour, mon bébé, oh, mon bébé. Mais bébé, qu'est-ce qu'il y a, non? Hmm? Tu veux qu'on aille là-bas comme la fois passée? CJ, es-tu malade? Es-tu fou? Qu'est-ce que tu racontes? J'étais toujours dit à maître reprise que je ne suis pas intéressée, ma chère. Ou soit, veux-tu que je t'insulte? Dis-moi, hein? Et où? Ma soeur, on y va. Mm-hmm. Insensé. Dégage. Mm. Au revoir, monsieur. Kwaze kwaze kwa bulakala, tina sofa na naye. Kwaze kwa bulakala, tina sofa na naye. Tuna sofa na naye, tina sofa na naye. Tuna sofa na naye, tina sofa na naye. Kwaze kwa bulakala, tina sofa na naye. Kwaze. Oh, grand sœur. Hey, donne-moi d'abord, attends. Voleuse. Avant que je n'oublie, aujourd'hui, j'avais rencontré les superviseurs. Devinez quoi? Quoi? Ils ne faisaient que me promettre. Promettre ceci, promettre cela. Ils me disaient, si seulement tu m'acceptes, je vais améliorer ton salaire, je vais t'acheter des mèches, je vais t'acheter un bon lait de beauté qui va arranger ta peau, tu seras belle. Oh! Attends, minute. Le superviseur a dit qu'il veut augmenter ton salaire si tu sors avec lui. Je crois que cet homme était un repenti. Hey, oh yeah. Dieu le punira. Dieu le punira. Mais comment il peut être comme ça? Grande sœur, j'espère que tu n'as pas écouté ces singes. Non, non. Cet homme est impuissant. Oui. C'est pour ça qu'il est toujours célibataire et qu'il n'est comment pas marié. Comment tu le sais, Tioma? Comment peux-tu me demander ça? La ville est dans ma main ici. Je connais tout ce qui se passe. Ne le suis pas, c'est un idiot. Cet homme très beau. Et c'est impitoyable. Ah! Ma soeur, tu en es où avec Ekene? Tu connais ma position, non? Aucune relation jusqu'à ce que je veux me marier. Ada, ma soeur, tu vois pourquoi je suis tes pas? J'emboîte tes pas. Je suis tout ce que tu fais. Hein? Je suis. C'est très bon. C'est très bien. C'est aussi comme ça que je vis ma c'est vie. C'est bien. Oui. Je sais qu'en suivant tes pas, je suis dans le droit chemin. Mais c'était qui alors, ces gars-là qui nous a fait arrêter quand on revenait? C'est quel frère maison? Encore? As-tu un petit ami, Tioma? Moi? Mais comment? Quelqu'un m'a stoppé encore des routes en disant Chi, Tioma de Jésus, j'apprécie la façon dont tu aimes Dieu. J'aime la façon dont tu prêches la parole de Dieu. Wow. J'aime comment tu mènes ta vie. Il aime complètement tout me concernant. Il est faisait que je sentais mes louanges et je me sentais comme si j'étais au ciel. J'aime la manière dont tu Oh, oui, oui, c'est ça. Bientôt, je viendrai là-bas chez toi. Oui, très bien. Donc toi, moi, Tioma, je t'ai supplié. Je t'ai supplié de toutes les manières pour que tu couches avec moi afin que tu me transfères dans un autre département. Mais je te conduisais comme Michael ou l'ange Gabriel. Mais tu es allé vers ma soeur sans honte, lui demander de coucher avec toi. Es-tu malade? Hey! Donc tu prononces aussi ce genre de choses? Parce que c'est elle? Dieu va te punir. Tu vois toi, Dieu va te punir. Tu es un insensé, laisse-moi te dire. Tu vois tel que tu es là, tu ne peux absolument rien me faire parce que si tu oses, je vais te frapper. Si tu vois le genre d'homme avec qui je sors, tu ne dois pas y croire. Parce que je me suis rabaissée en cause avec toi. C'est pour ça que tu t'es fait voir. Écoute-moi. Prie pour que Dieu intervienne auprès du manager parce que tu quittes ses boulots. Idiot. Viens par là, je te parle et tu me regardes. Donc tu es allé raconter de bêtises à ma soeur. Tu es insensé et honté. Regarde-toi. Attends le manager, tu recevras la lettre de licenciement.
Allez, arrête de t'économir. Passe par là, idiot. Tout ça parce que tu travailles ici comme superviseur. Je vais m'occuper de toi. Très bientôt, tu vas quitter cette entreprise. Idiot. Prends ton phone. Mais je pensais que cette fille était mature. Mais comment les gens sont au courant de ce que nous avons fait en secret? Je te dis. C'est terrible. Je te croyais mature. Je pensais que tu réfléchissais. Je te fais une demande et tu as décidé de le dire au monde entier. Tu n'as pas pensé à ce qui allait arriver. À moi, à ma famille et de toute façon. Oh, gars, ferme ta bouche. Je ne te parle pas. Ferme-la. Ce n'est pas à toi que je parle. Tu n'as pas besoin de me parler parce que tu ne réfléchis pas. Pourquoi tu veux jouer aux victimes? Est-ce que tu vas bien? Tu étais censé réfléchir avant de lui demander de sortir avec toi. Monsieur Franck, je suis très désolée. Écoute, je l'avais juste discuté avec mes sœurs. Personne d'autre avait écouté. Oui. Crois-moi. Je peux même jurer à propos. Ah, maintenant tu l'espères. Tu le penses. Et laisse-moi te dire. J'étais licencié. Oh, s'il te plaît. Tu es contente maintenant. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Désolée, monsieur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas à cause de moi, non? Tcha. Tu ne fais que faire des commérages partout où tu vas. Et à tout moment. Quand est-ce que tu vas grandir? N'as-tu pas pitié de ta vie? Arrête d'exposer ta stupidité devant tout le monde. Oujoua, hein? Je ne suis pas ton ami. C'est insensé. Je ne suis pas. C'est insensé. Tu as toujours dit je n'ai pas ton âge, je ne suis pas ton ami. Mais tu te comportes pas comme il faut. Est-ce que tu viens de dire que je suis insensé? N'est-ce pas vrai? Oujoua, tu n'as pas de sens. Donc tu viens de me dire que je suis insensée. Tu es insensée. T'es folle. Donc tu ne ressens pas. Tu n'as même pas un peu de respect pour les aînés. Es-tu malade? Tu apprends ta leçon. C'est ça que c'est. Tu es tellement stupide. Tais-toi toi aussi. Tais-toi. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Choma, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Tu n'as pas de maîtrise de soi. Elle parle beaucoup. C'est quoi? Tu à chaque fois. N'importe quoi. Viens me dire qu'est-ce que tu lui as fait. Choma. Hein? Maman. Papa. J'ai discuté de quelque chose ici avec mes sœurs. Mais elles ont emmené ça aux boulangeries. Ce n'est pas moi, oh. C'est Choma, la canal bouche. Je sais. Cette fille. Vous savez, des fois, je me dis qu'on m'avait changé l'enfant à l'hôpital. Parce que ton sang est vraiment différent ici, dans cette maison. C'est très différent. Je ne te comprends pas. Tu as des réactions toujours étranges. Tu n'es pas normal, toi. Tu vas finir mal un jour. Hé, tu as un enfant vraiment terrible, toi. Chérie, je t'en prie, calme-toi. Naï. Ujoua. Peux-tu être sincère et me dire la vérité? Qu'est-ce qui a causé cette bagarre? Papa, je lui ai juste dit qu'elle doit apprendre à se comporter comme une grande personne qu'elle est. Elle m'a giflé. Je le sais giflé. Tu l'as retourné, n'est-ce pas? Oui, maman. Bien. Donc c'est tout? Oui, papa. Seulement avec ce que tu oui, as dit papa. Là? Oui, papa. Mais tu lui as dit la vérité, non? Oui. Hein? Cette fille finira par nous mettre en trouble un de ces jours. Avec sa langue, elle va vraiment nous mettre dans le trouble. Hey, qui va la permettre? Elle va nous mettre dans le trouble. Où est mon fouet? Donnez-moi mon fouet. Reste là. Qui t'a demandé de te lever? Allez, vas-y, reste là. C'est quoi ça? Reste là. Ah, assez, c'est assez. Nani, Biko. Calme-toi. Ne suis pas ses enfants, s'il te plaît. Je t'en supplie, mon mari. Restons de bonne humeur. Comment peuvent-elles se comporter ainsi? Elles ne vont pas nous tuer. Tu vois celle-ci? Comme elle avait giflé celle-là. Et celle-là aussi lui a remis. C'est ce que j'ai aimé.
Et à partir d'aujourd'hui, moi ta mère, je te permets, si elle ne se respecte pas en tant que sœur aînée, si elle te donne une gifle, tu remets deux. Ou bien si c'est un, tu donnes encore 10. Maman, nous sommes des sœurs. Tais-toi, quelle sœur? Quelle sœur dont tu me parles? N'est-ce pas que je vous ai dit qu'on m'avait changé d'enfant à l'hôpital? Voilà pourquoi sa façon est toujours différente. Ça, c'est ce que je me suis toujours dit jusqu'à aujourd'hui. Elle n'est pas votre sœur. Maman, elle va changer. Changer quoi? Dieu merci, elle va changer. Ça veut dire qu'elle a déjà été changée. Mais si je dis non, changer à l'hôpital. Son sang est vraiment différent. J'en suis sûre. Ma tête me fait mal. Elle ferme ta tête et fait quoi? Insensé, imbécile. Je t'emmène le paracétamol. Ose lui donner. Va lui donner. Papa, j'ai mal à la ferme tête. Ferme ta bouche. Ma tête. Désolée. Tu dois te calmer pour que ta température puisse baisser. Avais-tu pris le paracétamol? Oui. Calme-toi. C'est ça. Ça va aller. Aïe. Désolée. 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 J'ai mal. Désolée, hein. Ça va aller. Papa, maman, nous sommes désolés pour ce qui s'était passé la semaine passée. Nous promettons que ça ne va plus jamais se répéter. À partir d'aujourd'hui, nous promettons de vivre en paix. N'est-ce pas? Papa, s'il te plaît, nous sommes désolés pour tout. Papa, maman, nous sommes désolés. Pardonnez-nous. Vous êtes désolés? Je suis contente de l'entendre. Je suis contente. J'ai... prie toujours à Dieu pour qu'il y ait l'harmonie dans notre maison. Oui, Dieu merci. Vous savez, à chaque fois que je visite la maison de mon frère, je me sens toujours heureux de la façon dont les enfants se comportent là-bas. La façon dont ils s'aiment entre eux. Et aussi, la façon dont ils se respectent. Hein? Et... la façon dont ils partagent tout ensemble. L'amour entre eux est vraiment fantastique, je vous le dis franchement. Et ils sont à 7. Ils sont à 7, je vous dis. Et tous les 7 ont toujours eu le même amour les uns pour les autres. À combien plus forte raison toutes les 3. Papa, nous promettons de vivre en paix. Je crois, dans les 10 ans qui viennent, vous 3, vous ne serez plus dans cette maison, je crois. Comment allez-vous être capable de solidifier cet amour que vous devrez avoir? Ma mère me disait toujours, il n'y a qu'un homme fou qui peut écouter une chose autant de fois. Mais un homme sage va écouter et le mettre en pratique. J'aimerais que vous toutes ici puissiez vous respecter mutuellement. Merci maman. Espérons que à partir de maintenant, les choses vont changer. Je crois en Dieu. Faites-vous un câlin, non? Je vais applaudir pour vous. Quel jour merveilleux. Vraiment. Ah, vraiment. Vraiment. Papa, qu'est-ce que c'est? Eh bien... ce que vous dites. Nothing can ever mean this much to me like family. Nothing can take away this bond we share forever. Anytime you call on me, just know that I'll be there. You are my blood, you are my family. You are my blood, you are my family. Oh, you are my blood, you are my family. Nothing can ever mean this much to me like family. Hey, nothing can take away this bond we share forever.
Whenever you're in need, just call and I'll be there. You are my blood, you are my fam. Et si nous travaillons une chanson pour chanter le dimanche? Quelle chanson? Obina Samo, Bineme Kobina Samo. Aucune n'est qu'elle avait chanté le dimanche passé, non? Ah, tu as raison. Mais qu'est-ce qu'on va apprendre alors? Essayons quelque chose de simple. Tu sais, genre? Si tu chantes une chanson qui n'a pas de sens, les gens vont se moquer de toi. Mais tu vas-y, chante, pour des folles. Chantons plutôt quelque chose de spécial du genre... Jesus durum gafé, no simiriu ye. S'il te plaît. Ah, ces chants sont pour de services spéciaux, non? Les gens ne le connaissent pas. On doit chercher une autre Alors, chanson. Alors, tente la chanson. Vas-y, chante. Faisons juste le chant de Today. Alors, vas-y, Linda. Okay. Chante. Today, there is a melody, On le fait vite maintenant. There's a melody, there's a melody, there's a melody, there's a melody. Today there is a melody, melody, there is a melody, melody, there is a melody. Notre choriste. Ah oui, tu as raison. Pendant que je vais les apprendre, moi je serai avec le micro. Je passe par-ci, je passe par-là, je chante en dansant. Madame la choriste, hein? Rappelle-toi qu'on a déjà un leader. Il me laissera le faire parce que c'est mon ami. Je ne ferai que lui demander leader, leader, leader. Et il me dira, Choma, fais-le. Ah, Choma, j'aime tu. Ce serait génial. Je suis impatiente d'attendre aussi. J'adore la chanson. J'ai bien réfléchi, ma sœur. Nous allons enseigner les gens demain. On aura tout vu. C'est à moi, Choma, qui que tu as parlé de la sorte. Tout ça parce qu'elle s'est mariée à un homme en ville? Ce n'est pas ça. Je pense que c'est juste un challenge pour que tu te sentes mal. Ça ne se fera jamais. Non, jamais. Ça, c'est l'esprit. Ma sœur, Ojoa, tu as bien dit. Tu as totalement raison. Hein? Parce que même étant des dons, qu'importe l'argent que mon mari gagne, moi, Choma, je chercherai aussi mon argent. Comme ça, il ne pourra pas m'insulter. Pas du tout. Mes sœurs... Vous savez, peu importe la quantité d'argent qu'une femme peut faire, elle doit toujours être sous contrôle de son mari. Laissez-la tranquille, s'il vous plaît. Ah, Chiwa, Chichi Beke, tel que je suis là, je me vois déjà dans un manoir. Ah oui, je me vois déjà dans un très grand manoir. Lesquels es-tu en train de parler?
La maison de mon mari. As-tu déjà trouvé un homme? N'est-ce pas que c'est vous qui dites que c'est la motivation? Je sais de rêver. Rêver grand. Tu es en non, train de te moquer de moi. Je célèbre avec toi. Tu m'arrêtes de te faire des idées. Ah, j'ai une fessée qui est rêvée en parlant. Un jour, ça se concrétisera, vous le verrez. Amen. Et amen. Où est donc maman? Hein? Ah oui. Bon après-midi. Que voulez-vous acheter, monsieur? Je descends. Ok. Qu'est-ce qu'il veut? Hein? Il descend. Salut, bon après-midi. Bon après-midi, monsieur. S'il te plaît, j'ai besoin de cette grande bouteille d'eau. La plus grande, le paquet. Nous n'en avons pas. On n'en a pas. Vous n'en avez pas? Eh bien, une bouteille était restée. C'est fini. Non, je n'y ai pas longtemps. Non, ça va. Est-ce que vous savez où oui, je peux les trouver? Oui, laisse-moi venir avec toi pour te montrer. Choma, reviens ici, tu es très occupé. Je ne suis pas occupée. Tu es occupé. Regarde, non, ça va. Si tu suis cette route, hein, tu vas voir Mama et Bouka. Okay. Elles vont juste là à côté. Très bien. Oui, je vais juste tout droit comme ça. Oui, je juste tourne à droite. Là, tu as raison. Je le verrai. Ok, merci beaucoup. De rien. S'il te plaît, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ebere. Je suis Choma. Ebere. Et Choma. Ok, c'est ta sœur. Oui. Ok, on se verra prochainement. Ok. Bye bye. S'il vous plaît, passez un autre jour. Merci. Si maman était là, n'allait pas manquer de te donner un revers de main. C'est quoi ce que tu fais? Je ne faisais qu'attirer les clients pour maman. Qu'est-ce que je fais? Quel mal y a-t-il? Même si notre père n'a pas de voiture, tu n'as pas à t'embarrasser devant lui comme ça. Je dois l'acheter du sel pour maman. Tu ne bougeras pas d'ici. Reste. Bien souvent, les choristes sont des troubadours. Celui qui va me causer des troubles, hein. Je lui en donnerai le double. Je n'aime pas de bêtises. Hey! Il y a des gens qui se réjouissent dans cette vie. Il y a des gens qui se régalent. Dieu a créé certaines personnes très spécialement. Celui-là, c'est le gros lot. Hey! Il est très unique. Il est aussi mignon. Hey! Ojo, hein? Grande sœur. Si je te gifle, tu sauras qu'à ton âge, je ne peux pas admirer les hommes. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Elle ne le sait pas. Elle ne sait pas. À la place de faire ta vaisselle, tu es là en train de chanter les éloges d'un homme. J'espère que c'est à cause de toi qu'elle a pu dire ça. J'étais en train de parler à moi-même. Tu parlais à toi-même? Écoutez, mes sœurs, je veux que nous nous focalisions sur nos études. Essayons d'oublier les hommes ou l'argent. Si nous réussissons notre vie, des bons hommes viendront vers nous. D'accord? Oui. Mais pour le moment, les études d'abord. Adané, tu as raison. Entièrement raison. Hein? Tu vois cet homme? Ne l'écoutons pas, ok? Toi, enlève tes yeux sur lui, toi aussi. Concentrons-nous sur nos études. Oh, ne les laissons pas nous distraire. Merci, grande sœur. Merci. Merci. Merci de m'avoir toujours écoutée. Dépêche-toi avec cette vaisselle. Que je vienne t'aider? Non, grande sœur. Hey, lève-toi. C'est encore recommencé. Où est son inhalateur? Lève-toi. Lève-toi, non? Elle fait la crise. Ojo, n'est-ce pas que je t'ai toujours dit de ne pas fermer cette porte? C'est à cause du froid. Il fait tellement froid. C'est pas de ma faute. Emmène l'inhalateur. Porte ça.
Ça va. Désolé, oh. Ça va aller, ma fille. D'accord. Ok. Hey, arrête. Pardon, je n'ai pas fait exprès. Désolé, ma chérie. Ça se fait. Ça suffit. Qui a allumé ces plafonniers? C'est Uchoa qui l'a fait. Jésus-Christ, ce n'est pas moi, maman. C'est elle-même, Choma. Vous voulez vraiment tuer ma fille? Avant que vous ne le faites, c'est moi qui vais vous tuer. Nendo, ça va aller, hein? Tout va très bien se passer. Ça va aller, ma fille. Calme-toi. Allez, ça va aller, hein? Ça va aller. Touchez mes pieds. Oui. Désolée, ça va aller, ma fille. Vous êtes vraiment des sorcières, vous deux. Vous voulez tuer ma fille, hein? C'est quel esprit qui vous anime de faire ce genre de choses? Ce n'est pas normal. Mais s'il te plaît, toi, tu veux la tuer? Ce n'est pas moi, grande soeur. Laissez cette fille dormir. Oui, laissez-la se reposer. D'accord? Faites gaffe. Ma chère fille. Papa. Tu connais très bien les conditions de l'air ici. Alors, tu dois vraiment prendre des précautions avant que tu ne dormes. Tu es assez grande pour comprendre. Tu dois toi-même te prévenir de la maladie. Maman, je suis désolée. C'est juste que j'avais très chaud la nuit dernière. Voilà pourquoi j'avais allumé le plafonnier. Je suis désolée, papa. Je ne vais plus le refaire. Ne te dérange plus. Tu vas mieux maintenant? Oui, papa. J'avais très chaud la nuit dernière. Très prudente la prochaine fois. Chaud. Pendant que tu connais très bien ton état. Adema, tu dois entrer là-bas te reposer maintenant. Tu m'as bien entendu. Va très bien te reposer. Appelle-moi Choma ou Ujumwa. Qu'elle vienne m'accompagner à la boutique. Toi, n'ose pas venir là-bas. Maman, je vais très bien maintenant. Ça va. Je t'ai demandé d'aller te reposer. Lève-toi et va les appeler. Maman, je me sens bien maintenant. Naï, c'est bon, hein? Tu vois ses enfants? Salut! Oui! Salut! Bon après-midi! Choma! Choma, oui! Bienvenue! Comment vas-tu? Et ta soeur, comment s'appelle encore? Eberé, ma grande soeur. Oui. Elle est à la maison, elle ne se sent pas bien. Et ok. Celle qui était assise là-bas de l'autre côté, oui. Elle est allée au marché avec notre mère. Ou oui. Avec votre maman? Oh, c'est très bien. Merci. Oh, j'aurais vraiment aimé la voir. Oui. Vous aimeriez voir ma mère? Oui. Elle reviendra bientôt. Prenez place. Ok, elle va bientôt revenir? Ok, très bien. Oui. Je peux attendre. Prenez place. Merci. Oui, je merci. Je vous en prie, monsieur. Merci beaucoup. Oui, je vais bien. Non, ça va, ne t'inquiète pas. Vous avez faim? Vous voulez quoi? Boire quelque chose? Les coca? Le Fanta? Non, non, tu n'as vraiment pas te déranger. Je peux le faire rapidement. Vite, vite. Du genre fast-food. Il a toujours été dit que le cœur d'un homme se trouve dans son ventre. Laissez-moi faire quelque chose pour vous. Ne te dérange pas comme ça. Je vais très bien, ne t'inquiète pas. Je vais bien. Bienvenue. Êtes-vous sûr que vous ne voulez rien? Non, comme je t'ai dit, je vais bien. Même pas le jus? Non, je vais bien. Bienvenue, monsieur. Alors, votre aîné, c'est tellement long et c'est attirant quand vous souriez. Merci. Oui, merci. Monsieur. Merci beaucoup. À
Aviez-vous de l'argent pour demander à ma mère une telle chose? Bien, je savais qu'elle n'allait rien dire de grave. Parce qu'elle a vraiment l'air d'une bonne personne. La fois passée, quand je l'ai saluée, elle ne me connaissait même pas, mais elle m'a bien répondu. Merci pour ce que vous avez acheté pour nous. Merci d'avoir accepté de me raccompagner à la maison. Allez, ce n'est rien du tout. Hein? Nous sommes des amis maintenant. Mm-hmm. Alors, ce n'est vraiment rien. Et qu'est-ce que tu me disais sur ta sœur? Ma sœur est asthmatique. Vraiment? C'est pas un asthme normal du genre. Mais lui, c'est... Quand sa crise commence, tu ne peux pas rester là. Mais en fait, c'est... On peut le gérer. Oui, on peut le gérer, je pense bien. Si tu évites certaines choses comme la fumée... Comment est-ce que c'est la PCFR? Oui, si on évite la fumée. Si on évite des choses comme les gaz, des choses comme ça, tu vois. On peut bien le gérer, oui. Eh, cela veut dire qu'elle va mourir. Parce que toutes ces histoires que tu... C'est ce qu'elle adore. Elle aime allumer le l'air conditionné jusqu'au niveau maximal. Elle adore les œufs. Les œufs crus. Eh oui. Ça ne peut pas passer devant elle. Waouh. Quand sa crise commence, tu ne sauras pas rester là. Mais attends que la bonne sœur que je suis, je ne saurai pas dormir. Tu verras, je me réveille. Je cherche son inhalateur. Je commence à masser ses pieds. Pendant que les autres dorment et ronflent. C'est vraiment gentil de ta part. Qu'est-ce que je veux dire, elle est très chanceuse de t'avoir comme sa sœur. Qu'est-ce que je ferais? C'est très bien comme ça. Merci pour toutes choses que tu fais pour elle. Pourquoi vous me remerciez? C'est ma soeur. Non, je veux juste t'apprécier. Jidine. Désolé de t'avoir réveillée. Je ne dormais pas. En fait, je voulais savoir comment tu allais. On m'a appris que tu étais malade. Et je voulais te voir. Comment te sens-tu maintenant? À combien d'autres personnes tu as dit que je suis malade? Je ne l'ai dit à personne. Écoute, il a acheté de la pâte et tout ça. Merci énormément. Non, c'est rien. Je veux dire, c'est le moindre que je pouvais faire. D'accord. Excuse-moi, je vais prendre pour toi la chaise pour t'asseoir. Mais ce n'est pas grave, on peut s'asseoir à l'intérieur. Emery, tu dois venir avec moi prendre les histoires qu'il a apportées. C'est beaucoup, je ne saurais pas le porter. S'il te plaît, est-ce que tu peux aller les chercher toi-même? Moi, je peux rester ici avec elle. Non, s'il te plaît, j'insiste. Voici la clé. Merci. Alors, qui va? Merci beaucoup. Ah. Choma, aide-moi à chercher une boisson très fraîche. Je te donnerai l'argent plus tard. Oui, très bien. Je suis surprise que maman a permis à Jidine de venir à la maison. Maman est éveillée. Maman, une fois que tu vois un homme, tu sauras s'il est responsable. Donc Jidine est responsable? Bien sûr. Si seulement je n'entendais pas un homme responsable, moi, Choma, j'allais me marier depuis très longtemps. Hey, cet homme est vraiment mon goût. Regardez comment son nez est pointu. Mon Dieu. Choma, toi vraiment, tu es terrible, hein? Ne commence surtout pas, sinon je vais me fâcher. Et je risque de te gifler. Hein? Ne commence pas. Raconte, ma sœur, je t'écoute. De quoi est-ce que vous étiez en train de parler pendant que je faisais entrer des histoires dans la chambre? J'ai aussi entendu discuter à voix basse. Et vous souriez. Il m'avait dit qu'il m'aime. C'est pas vrai. C'est vrai. Je suis sérieuse. Mais je lui avais dit que je ne suis pas encore prête. Grande sœur, tu es très sage. À ta place, je dirais la même chose. Très bien. Un homme stupide. Un idiot. Non. À cause de ces têtes ferrailles qu'il conduit, il veut gâcher la vie de ma sœur. Les hommes, moi qui les prenais pour un saint. Seigneur Jésus, comment est-ce qu'une personne, la première fois qu'il nous rend visite, il aime déjà ma sœur. Par après, il dira qu'il m'aime ou il aime une autre personne. Jésus! Voyez comment il est noir, comme un corbeau, insensé. Jésus-Christ, les hommes sont vraiment inutiles. Tout ça parce que ses yeux sont rivés au popotin. Il ne pense pas à autre chose.
Madame la Sainte Nitouche, tout le monde t'aime, comme la reine Elisabeth. Et où? Mais cet idiot de Jide, comment est-ce qu'il n'a pas remarqué que j'étais amoureuse de lui? Bien, c'est son problème. S'il ne m'a pas vu, je me ferai voir. D'ailleurs, je lui ferai la cour moi-même. Voyez comment cette folle dort paisiblement pendant qu'elle a gâché ma nuit. Veillons voir si Dieu ne va pas te punir. Naï, tu vois, hein? J'ai pris vraiment, ces feuilles dont je t'avais parlé la fois passée. Hein? C'est pour aider le corps humain. J'espère que tu m'as entendu, ma fille. Maman, tu es sûre que ça va nous aider? C'est très bon. Ça combat surtout la malaria. Ainsi que la typhoïde. Oui, c'est ça, Naï. Naï, on a quelque chose à te dire. C'est à propos de Jidena. C'est quoi à propos de lui, maman? Je peux en parler. Jidena a dit qu'il veut t'épouser. Il ne m'a pas dit quelque chose. Comment est-ce qu'il est venu directement à vous? C'est juste une façon de voir combien un homme est sérieux. Il n'est pas du tout venu ici pour jouer. Mm-mm. Pas du tout. Il ne veut pas se jouer exact. De toi. Écoute, on lui a aussi dit que tu aimes les études. Il était content et il nous a dit qu'il est prêt à te soutenir voilà. pour n'importe quel niveau que tu voudras. Tu sais, c'est toujours bien pour un homme d'aimer plus une femme. Il t'aime énormément. Veux-tu me dire que papa t'aime plus? Bien oui. sûr que oui. Oh, tu ne sais pas? Oh. Ou bien c'est juste une question? C'est juste une question. Oh. Jidena est un bon homme et la façon dont je vois, il sera un très bon homme pour toi. C'est ça. Et il ferait mieux de me laisser étudier. Oh. Non, mais il est déjà d'accord. Déjà accepté. Oh. Il est bien d'accord, il est prêt à t'accompagner à n'importe quel niveau que tu voudras, ma chérie, t'inquiète. C'est un bon homme, nous t'inquiète. Nous sommes très fiers de toi. Très fiers de toi. Très fiers. Merci. Ndimozi bine nigwe, anasi hallelujah, Jehovah Mewiwo. Ndimozi bine nigwe, anasi hallelujah. Alasi, alleluia, Jehovah mewiwo. Ndimozi bine nigwe, alasi, alleluia, alasi, alleluia, Jehovah mewiwo. Pouvez-vous imaginer que ce garçon veut m'épouser? Jidena, bien sûr. Félicitations. Pourquoi tu cries? Hein? Ebé, tu avais dit que tu ne voulais rien avoir avec ce garçon. Alors, ça se quoi? Bien sûr que je n'ai rien à voir avec lui. Il ne m'avait même pas dit quelque chose. Il est allé directement voir papa et maman pour leur parler à propos. Ah! Qu'il veut m'épouser, blablabla. Tu es contente? C'est ton problème. Mais ne reviens pas dans cette maison en train de pleurer, parce que je ne vais pas t'écouter. Je sais que bientôt ça va arriver. Félicitations, grande sœur, Madame Jidena. Oh. C'est juste que je les sens étranges. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Tu vas apprendre à les connaître une fois que vous serez ensemble, d'accord? Félicitations. Dis-moi, tu l'aimes? Il est responsable et il est aussi beau. Je vois que je l'aime. Mm-hmm. C'est ce qui compte le plus. Ne te laisse pas de conseillère sournoise. Ochoa, Ochoa, ne me provoque pas. Si tu veux raconter le ragot, dis tout ce que tu veux, mais ne m'implique pas. Ne parle pas de moi. Elle a beaucoup de gens qui lui donnent des conseils là-dehors. Ce n'est pas seulement toi. Cherche que t'es frappée. Et tu la seule à ne me cherche pas.
Écoute, je me connais très bien et mon destin ne me ment pas. Félicitations. Dimozimbo. S'il te plaît, épargne-moi ces bruits. Qu'est-ce que c'est? S'il te plaît. Est-ce qu'il te plaît? Oui. Je serai dans cette maison quand tu vas revenir en train de pleurer. Très bientôt. Tu me souhaites le malheur? C'est pas ça. Je veux que tu sois prudente. Parce que je ne veux pas que ça finisse mal. Ah, Chummy. Hein? S'il te plaît, viens m'aider hein, pour que ça aille vite. Hein? Ah, désolée, Ojo. Hein? Mon ventre et ma tête me fait mal, je dois me reposer. Désolée, pars te reposer alors. Désolée, hein. Oh. Courage. Hey, Tonton DJ, bonjour. Salut. Comment vas-tu? Merci, merci. Je peux voir que tu fais oui, la lessive. S'il te plaît, est-ce que Hubert est là? Non, elle est allée acheter un truc. Oh, ok, je vois. Mais s'il te plaît, est-ce que tu peux garder ça pour elle? Ah, d'accord. Oui, merci, merci beaucoup. Est-ce que papa est là? Non, il est aussi sorti. Il est sorti aussi? Oui, monsieur. Ok. Moi, je vais sortir un peu. Peut-être que je serai ici le soir. D'accord. Ok. Prends bien soin de toi. Merci. Bye bye. Ah, Ojo, j'ai entendu la voix de quelqu'un. De Jide? Oui, c'était lui. Mais tu ne te sentais pas bien, non? Où est Jide? Il est déjà parti, non? Tu ne te sentais pas bien. Mais alors, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Laisse-moi passer. Timo. Hey! Mon Dieu. Tu es vraiment un cas social. Tu aimes ça? Merci énormément pour ce que tu avais apporté pour moi hier. J'aimerais aussi dire que... calmons un peu le préparatif de ce mariage. C'est comme si nous nous précipitons. Essayons un peu de ralentir. En fait, c'est plus pour mon admission. S'il te plaît, laisse-moi d'abord finir avec. Et puis, on va continuer avec le préparatif du mariage. Ok, c'est bon, mon amour. J'attendrai le plus longtemps que tu voudras. C'est juste que je suis juste heureux de faire connaître mes intentions pour toi. Parce que je n'aimerais pas que entendre à la fin une histoire comme Jidun, si tu m'avais dit plus tôt, je t'aurais peut-être considéré. S'il te plaît, je ne veux pas entendre une telle histoire. T'inquiète pas, la porte est grandement ouverte pour toi, à n'importe quelle heure. Vraiment? Mm-hmm. Merci beaucoup. De rien. Je prie que Dieu te bénisse pour moi. Qu'il te bénisse aussi. Pour combien de temps dois-je attendre? 10 ans. Quoi? 5 ans. Non, tu plaisantes. 3 ans. Tu plaisantes, n'est-ce pas? T'inquiète. Ça va aller vite. Attendons, ok? Écoute, quel que soit le temps que tu voudras, j'attendrai. J'attendrai. Peu importe la durée. Je t'aime vraiment beaucoup. Je t'aime aussi. Tu me rends vraiment très heureux. J'ai vraiment hâte de t'appeler ma femme. Arrête un peu ça. Vraiment merveilleux d'être là avec toi. Oui, papa. Maman. Non. Je suis venu parce que... parce que j'aime votre fille et je veux l'épouser. Oui, exactement. Nous avons décidé de ralentir un peu le processus du mariage.
pour le moment. Jusqu'à ce que Berry termine avec tous ces processus qu'elle fait pour son admission. Oh. Et alors, nous allons continuer. Parce que nous avons vu que... Bon, nous ne voulons pas que ce soit comme si on précipite les choses. Oui. On ira doucement. Pour bien nous préparer aussi. Et là, nous allons commencer en paix. Merci fils, bien, mon fils. Mm. Mais sinon, comme conseil... Oui, papa. C'est la communion. Donc, vous devez tous les deux vous entendre l'un avec l'autre. Exactement. Tu vois, donc, soyez-en sûrs que le mariage sera vraiment harmonieux. Oui, amen. Oh. Amen. Amen, papa. Oui, oh. Tu sais, j'aime bien lorsque deux jeunes s'aiment respectueusement. Mm. C'est ce que j'aime chez vous deux. C'est vrai. Dalo. Mm. Merci, maman. Dalo. Merci beaucoup. Vraiment. Je suis vraiment reconnaissant. Ah oui. C'est nous qui sommes reconnaissants. Mm. Oui, je dois déjà partir, papa et maman. Parce que j'ai quelque chose que je dois aller faire. Et sans problème, mon fils. Mais avant que je ne parte, papa et maman, j'aimerais que vous ayez quelque chose. Alors, papa, je veux que maman et vous ayez quelque chose que j'ai prévu pour vous. Mm. Papa, je veux que vous ajoutiez ceci sur votre business. Ok. Nous sommes très contents, mon fils. Je ne m'attendais pas à ça. Oh. Merci. Pas de problème, papa. En tout cas, on ne s'attendait pas à ça, mais nous avons quand même. Vraiment, papa. Vraiment, maman. Allô, mon fils. Papa, prenez d'abord ça, débrouillez-vous un peu avec ça, et puis j'ajouterai plus tard. Oh, Namo. Maman, c'est quand même mon devoir. D'accord? Oh. Mon beau-fils. Mon beau-fils. Je crois que moi, je dois. Mon beau-fils. Merci, maman. D'accord, okay, bon allez-vous. Je vous laisse déjà. Bonne route. Merci. Très bien, merci. Bye. Merci. C'est combien? Attends d'abord. Laisse-moi d'abord vérifier. Tu as peur de quoi? C'est ça, vas-y. C'est bon, j'ai déjà compté. Mais vas-y, parle. Ça, c'est mon beau-fils. Merci beaucoup, hein, que mon Dieu beau-fils. Que Dieu te bénisse. Au revoir. Hey. Que Dieu te bénisse encore et encore. Ah oui, tu as raison. Que Dieu soit loué. Hey, maman. Hmm? Maman, c'est 22. Maman, c'est 22. 22? Pendant que tu m'avais dit que c'est au nombre de 25. Es-tu sûre de bien compter? Oui, maman. Je sais très bien compter, maman, non? D'accord, je vais voir ces messieurs. Maman? Il y a quelque chose qui venait de se passer. Qu'est-ce que c'est? Parle-moi quoi? Maman, Choma a des réactions très froides. Elle n'est plus vraiment de bonne humeur. Et lorsque je lui demande qu'est-ce qui se passe, elle ne fait que me répondre « Je vais bien. Je vais très bien à tout moment. » Maman, tu dois découvrir. Et c'est maintenant que je m'informe. Maman, je suis désolée. J'ai pensé que ça allait changer, mais non. Ok, pas de problème. Va l'appeler pour moi. Allez, passe vite. Appelle-la avant qu'il ne fasse tard. Choma. Bébé. Choma, qu'est-ce qu'il y a? Je vais bien. Non, tu ne vas pas bien. Tu pleures et tu me dis que tu vas bien. Ça va, c'est juste que quelque Choma, chose m'est entré dans l'œil, mais je ne pleure pas. Tu ne peux pas me mentir. Écoute, nous sommes des sœurs. Peu importe ce que c'est, confie-toi en moi et je jure que nous allons en parler et trouver une solution. Ebi, je vais bien. Ça va? Bien, maman veut te voir. Je lui ai dit que tu ne vas pas bien. Allons-y. Après toi. Choma, ma fille.
Choma, c'est quoi le problème? Parle-moi. Maman, je vais mourir. J'ai besoin de me tuer et partir. Je vais mourir. Sans effet. Ne dis plus ça. J'ai plus envie de vivre. J'ai envie de partir. Que Dieu nous en épargne. Que Dieu nous en épargne. Ne dis plus ce genre de choses. Hein. Comment peux-tu dire que tu veux te donner la mort? C'est pourquoi non? Ma fille, vas-y, parle-moi. Allez, vas-y, parle-moi. Je t'écoute. Maman, personne ne m'aime. Tout le monde me déteste. Je vais mourir. J'ai envie de partir. Arrête de dire que tu veux mourir. Renonce à ça maintenant. Je ne vais pas. Choma, là, ce n'est pas vrai. Nous t'aimons tous ici. Oh. Que tu le saches ou pas. Moi, personnellement, je t'aime beaucoup, ma soeur. Tu es ma soeur préférée. Je t'aime vraiment énormément. Et tu es unique à ton genre. Exactement. S'il te plaît, arrête de pleurer. Regarde comment est-ce que tu fais pleurer ta sœur aînée. C'est parce que je ne vois pas cet amour. Je ne le vois pas. Elle ne m'aime pas. Elles vont t'aimer, oh. Elles vont beaucoup plus t'aimer. Hein? Elles vont commencer à t'aimer plus. Elles vont vraiment te montrer l'amour. Ça suffit. Non. Chimo. Maman. Choma. Maman. Ma bien-aimée. Maman. Eh? Hey. Hey, il t'aime beaucoup, grande sœur. Hey, c'est ça qui est très magnifique. Merci. Hey, tu aimes ça? J'aime ça. Cet habit, ça va m'aller. Eh bien, je te connais. Ces histoires, c'est pas toi qui l'avais choisi. Parce que ces histoires, c'est au-delà de tes goûts. C'est pas ton style. Je te connais. C'était moi, bien sûr. Choma. Et quoi? Qu'est-ce que c'est? Kébili, je ne peux plus parler en ta présence. Ébéré. Hein? Toutes ces histoires ne sont pas vraiment de bonne qualité. De telles choses ne me plaisent pas. Mais parce que tu es ma sœur, je vais me comporter comme une grande dame. Je ne prendrai qu'un. Juste pour te plaire. Tu es libre. Laisse-moi. Ma sœur, je prends celle-ci. Ça me plaît et ça ira avec des chaussures rouges. N'oublie pas de lui dire d'acheter des chaussures de couleur rouge. Qu'il prenne le numéro 38. Pas le numéro 39, non plus le numéro 40 ou le numéro 38 et demi. Juste 38, n'oublie pas. Il n'y a pas de problème, tu peux prendre.
J'avais particulièrement pris cet habit pour toi. Merci. C'est pas comme si tu connaissais mes goûts, mais je vais me débrouiller. Parce que le reste, c'est mauvais. Ça me plaît. Si je veux le faire pour toi. La femme du manoir. Pourquoi tu me regardes comme ça? Es-tu folle? Et où? Choma, arrête de la déranger, non? Arrête! Dis-lui d'arrêter de me regarder, je ne suis pas son amie. Si ça commence comme ça, je vais les remettre. Remets-les, non? Qu'est-ce que tu attends? Bon, donc je vais voir si tu peux aussi prendre un. Je peux le faire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais quoi? Il a dit qu'il va m'emmener le téléphone prochainement. C'est bien. Lélé, qu'est-ce qui te prend? Laisse-moi être contente, c'est où ton problème? J'espère que tu ne vas pas oublier que le téléphone ne sera pas seulement pour toi. Bien, je sais que ce sera pour nous tous. Oui. Qu'est-ce que c'est? Je suis contente, non? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Le téléphone ne sera pas pour toi. Le téléphone, c'est pour des adultes. Tu es encore un enfant. C'est le pour téléphone nous. Arrivera, mais ce n'est pas maintenant. Alors, vas-y, fais ton choix. Ok, grande sœur, merci. Tu peux prendre deux. Moi, je vais prendre ça. J'aime la couleur. J'aime ok, pas de problème. Tu peux aussi prendre l'autre. Merci énormément. Tu es le meilleur. Tu dépasses les autres. Est-ce que c'est l'original? Pour ou la vie? Les prix? Vous l'avez non, acheté par terre à la friperie? On était allé acheter dans une boutique. Ok. J'ai parce hâte que ça de voir ton manoir. Nous partirons, nous toutes. Oui, grande sœur. J'aurai mon propre manoir. Je sais qui je suis. S'il te plaît. C'est ma prière pour nous toutes. Parfait. Restez là. Dioma. Chizuke, si tu n'es pas fou, alors dis-moi pourquoi tu es venu me chercher chez nous. Es-tu malade? Hein? Après t'avoir envoyé le message que je t'ai fini entre nous, c'est quoi ton problème? Chizuke, donc tu ne peux pas m'oublier. C'est quoi ton problème? Laisse-moi tranquille. Dioma, je t'aime. Hein? Ne me quitte pas, Dioma, je t'aime. Dioma, écoute, je ferai beaucoup d'argent. Hein? Ne me quitte pas, je vais prendre soin de toi. Écoute, et d'ailleurs, j'ai même l'argent que tu m'as demandé pour acheter le téléphone. J'en ai ici. Hein? Monsieur, que tu parles ou pas, ça m'est égal. Si tu continues à raconter ces bêtises et que mes amis viennent ici te trouver, Oga, ce que je te ferai, Dieu seul sait. Écoute, tu es ok. Je croyais que tu avais un peu de l'intelligence. Voilà pourquoi je sortais avec toi. Mais maintenant, j'ai tout compris. J'étais aveuglée, j'étais tellement stupide. Ah, Choma. Moi, je ne te mérite pas en amour, c'est ça? Maintenant, j'ai ouvert les yeux. Tu n'es pas de mon niveau, tu n'es pas de ma classe. Évite-moi. Tu ne peux pas m'avoir. Ah ah. Donc moi je ne peux pas t'avoir? Dis-moi, pourquoi tu me dis tout ça, non? Hein? Écoute, oublie que je suis l'un de ces villages. J'ai des meilleurs projets pour notre futur. Dis-moi, j'ai des projets pour notre futur. Hein? Je trouverai de l'argent pour nous. Hein? Écoute, je vais t'acheter une maison. Et je vais t'acheter aussi une moto. Je vais t'acheter tout, dis-moi. Crois-moi. Laisse-moi t'aimer. Ferme-la. Regarde-moi un peu. Je n'ai pas de la chance. En tout cas, c'est pas grave. C'est pas grave. Choma, c'est toi qui m'as fait ça. Tu as dit que je ne te mérite pas. Malgré tout, je reste toujours un homme. Je ne pleurerai pas. Un homme ne doit pas pleurer pour une femme. Qu'est-ce qui m'arrive, moi? Un homme ne peut pas pleurer. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce que le téléphone que Jiden a acheté pour Rebelle est perdu dans cette maison? Ici, nous n'avons que votre père et moi, et vous trois. Comment ça peut se perdre? Est-ce que c'est normal? Qui est la voleuse? Qui est la voleuse parmi vous trois là? Pourquoi est-ce que vous me faites ça? Vous savez bien que je ne me sens pas très bien. Vous savez bien que je fais l'hypertension et je suis en train de le gérer. Comme vous voulez me tuer. Si vous me tuez, vous allez souffrir, oh. Vous allez souffrir. Vous allez vraiment souffrir parce que personne ne prendra votre défense. Votre père a grandi et il ne pourra rien faire. Vous allez souffrir, oh. Celle qui sait que... Celle qui est consciente d'avoir pris ce téléphone... Rassure-toi de la remettre.
En effet, vous devez avoir une réunion, vous trois, pour me ramener ces téléphones. J'en ai vraiment besoin. Parce que cette maison ne va plus nous contenir. Oh. Je rendrai cette maison un enfer pour celle qui a volé ce téléphone. Ramenez ce téléphone. Ramenez ce téléphone. Parce que si je commence à prier, oh, gare à la personne, oh. J'espère que vous me saisissez très bien. Je peux bien vous maudire par ma bouche ici. Mais je ne le ferai pas, je vais seulement prier. Alors, il serait mieux que ce téléphone soit même jeté dans la maison et je vais le retrouver moi-même. Je dirais que d'accord, j'ai vu le téléphone. Vous m'avez très bien compris. Vous m'aviez compris. Ok? Ok? Allez, d'accord, disparaissez d'ici. Dégagez d'ici. Allez, vous toutes. Qu'est-ce qui est avec ces enfants, mon Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous voulez me tuer ou quoi? Oh, 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 oh. Vraiment. Regardez-moi. Encore cette histoire. Pour qui les gens vont me prendre? Hein? Cette fois-ci, je ne sais qui suspecter. Je ne sais rien. Qui a volé le téléphone? Ces enfants me font mal à la tête. Je ne sais même pas par où commencer. Hein? Que dois-je faire maintenant? Si maman s'aimait à prier et à gêner, je serais dans le pétrin. Hein? Dois-je aller récupérer ce téléphone auprès des Ikemere? Non, sûrement il a déjà quitté cet endroit. Ta, rien ne va se passer. Qu'elle fasse tout ce qu'elle veut. Choma n'est pas une peureuse.
Chérie, je suis vraiment reconnaissant du fait que tu m'as accompagné au chantier aujourd'hui. Vraiment reconnaissant. Merci beaucoup. Un instant. Voilà. Voilà. Vas-y, tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, tu peux l'ouvrir. Un autre téléphone? Tu me dis que tu as perdu l'autre. Merci beaucoup. Oui. Tu n'as pas à beaucoup me remercier comme ça, hein? Écoute, tu représentes maintenant beaucoup vraiment pour ma vie. Et c'est toi mon seul amour. C'est toi que j'aime. Tout ce que je peux faire pour toi, c'est normal. Je prie juste que celui-ci ne soit pas volé. Non, ne t'inquiète pas, ils ne prendront pas ça. S'il te plaît, je peux te demander une faveur? Oui, tout ce que tu veux. S'il te plaît, hein? La prochaine fois que tu voudras m'acheter des choses, peux-tu s'il te plaît le faire aussi pour mes sœurs? Tu sais, en tant que grande sœur, elles sont sous ma responsabilité, n'est-ce pas? S'il te plaît, peu importe ce que c'est. Quand je reviendrai d'Abuja, nous irons faire du shopping ensemble. Tous ensemble. C'est vrai? Ah! Je me leur dis, merci, merci beaucoup. Non, ce n'est rien du tout, d'accord? Ce n'est rien. Merci. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Je vais toujours tout faire pour te rendre heureuse, ma chérie. Merci. Écoute, c'est mon tour de préparer aujourd'hui. Oh, je ne peux plus rester ici un long moment. Très bien, ok. Au revoir, bon voyage. Bye. Merci beaucoup. Prends bien soin de toi. Je t'aime. Judy? Oui? Tu es une bonne personne. Merci. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Tu mérites d'être heureux. Ma sœur n'est pas assez bonheur pour toi. C'est moi qui le suis. Donne-moi juste l'opportunité de te montrer que c'est moi qui te donnera ces bonheurs de la vie. Arrête! Arrête ça! Tu vas bien? Je n'ai pas besoin d'une personne parfaite dans ma vie. Ta sœur, je l'aime telle qu'elle est, et c'est comme ça. Écoute-moi. Ta sœur t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Ce serait gentil si tu lui retournais le même amour et le même soin. Elle vous aime toutes les deux. C'est quoi ça? Mais personne ne va savoir ce qui s'est passé. Mais que ceci soit la première et la dernière fois que tu essaieras de faire cette bêtise. Laisse-moi m'en aller d'ici. Presse-moi bien. Oh. Ok. J'espère que ça ne te fait pas non, mal. Non, ça ne fait pas mal, merci. Je te tresse alors. Ok. Que ça ne soit pas très gros, d'accord? Il n'y a pas de problème. Ok, merci. Eh bien, je voulais te dire un truc. Qu'est-ce que c'est? C'est à propos de Tioma. Ma sœur? Oui. Tu dois faire très attention avec elle. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Elle ne cesse de te menacer. Elle dit que tu es favorisée d'avoir tout ce qu'elle a souhaité avoir, y compris Jide. Écoute, tu connais très bien ma sœur Tioma. Elle parlait beaucoup et de fois tout ce qu'elle prononce dans sa bouche, elle ne le connaît même pas.
Alors, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas suivre ce qu'elle sort de sa bouche. Qui va nous apprendre la chanson de la semaine? Ce sera Kwado. C'est lui qui va nous apprendre ce chant, bien qu'il ne le fait pas tellement bien. Il paraît faible. Bon, même s'il ne sait pas très bien chanter, mais il apprend très bien aux gens. Bien, pas mal. J'ai hâte d'apprendre ces chants. Pourquoi est-ce que tu ris? C'est là, dehors, à côté de la fenêtre. Eh, belle. Où est cette fille? D'où est-ce qu'elle me répond? Eh belle, où est mon parapluie? C'est sous la fenêtre. Eh belle! Eh belle! Mais Belle était juste ici, à peine, non? J'espère qu'il n'y a aucun problème, oh. Eh Belle, du coup. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh Belle, du coup. Eh Belle. Eh Belle. C'est quel genre de rêve? Non, ça ce n'est pas du tout un bon rêve. Hey, Mbaye. Ce rêve n'est pas bon. Eh, hey, belle-moi, mon. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Hey! Maman, qu'est-ce qu'il y a? Hey, Ebele, ma fille, j'ai fait un rêve. J'ai vu Ebele. Je lui ai demandé mon parapluie. Elle me parlait. Mais elle m'avait tourné le dos. Elle m'avait donné le dos. Donc elle me répondait en tournant le dos. Oui. Mais avant que je ne parte prendre le parapluie, pourquoi est-ce qu'elle m'avait tourné le dos? Et quand je me suis retournée pour l'appeler, Ebele, elle ne m'avait pas répondu. J'avais commencé à appeler Ebele, Ebele. Elle ne me disait rien du tout. Maman, c'est juste un rêve. Mbano, arrête de dire ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas juste un rêve ordinaire. Tout ce que tu cherchais dans les rêves, c'était le parasol, non? Hey, c'est juste un rêve. Hey, belle ma fille, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Et oui, que j'ai laissé à la maison là en forme. Maman, calme-toi. Non, mais le rêve n'est pas du tout bon. Tu n'as qu'à prier pour ça. Prie pour ça, maman. C'est ce que tu fais toujours. Hey, Chimo. Je dois aller acheter les carburants pour faire fonctionner la machine. Ça me fait très mal. Maman. Ome woromia. If a mother for melumo, oh me woromia. If a mother for melumo, oh me woromia. Oh me woranyo, Chai.
Oh Seigneur, sois loué. Ada, ma chérie. Papa. Nous sommes très contents que tu aies enfin obtenu ton admission à l'école des infirmières. Et très bientôt, nous aurons une infirmière dans cette maison. Hey! Félicitations. Ma vie. Ma fille. J'ai oublié. Infirmière. Notre infirmière. En tout cas, et c'est elle qui va commencer à me faire des piqûres. Ngoa. Ujunwa. Maman. Et Choma. Écoutez-moi, mes filles. Je savais que vous deux aussi allez faire notre fierté. Je veux qu'on m'appelle la maman de l'avocate et la maman du docteur. Toi, tu seras avocate. Et toi, tu seras docteur. Je dis bien docteur. Tu es ma mère. Tu parles comme si tu lis dans mes pensées. Je veux devenir docteur et pas infirmière. Je sais qui je suis. T'inquiète-toi, maman. T'inquiète. Je ferai ta fierté. Moi, la maman du docteur, la maman de l'avocate, la maman de l'infirmière. Oh, mon Dieu! Et tu vas commencer à me faire des examens cardiaques. Oui, tu as vraiment raison. Pour savoir comment je vais. Oui, commencer à tester, voir les battements cardiaques, la tension artérielle, Dieu, tout est ça. Merveilleux. Tu vois? Il est merveilleux. Et moi, je m'occuperai de toutes les injections. Ah, qui suis-je? Qui vraiment. Suis-je? Maman, papa, j'ai décidé de continuer le projet de mariage avec JD. Maintenant que j'ai trouvé mon admission à l'université, je serai chez lui et je vais continuer à vous assister, vous voyez. Tu vas commencer à étudier chez ton mari. C'est parfait, c'est parfait. Tu as mon soutien à 100%. Hey, tu as mon soutien à 100%. Tu fais notre fierté, grande sœur. Oui, yo. Tu ne peux qu'être contente. Tu es un enfant, c'est là que se trouve ta place, fille d'honneur. Les gens comme nous. On va chercher des demoiselles d'honneur et pas ces histoires-là. Nem, ce que tu vas faire pour moi, j'espère que tu es d'avis avec moi, mon oui, mari. Oui. Dis à JD de nous apporter les papiers qu'on lui avait donnés. Et lorsqu'il voudra venir, il est libre de venir. Merci, maman. Plus de temps à perdre. Donc, maintenant, les sciences infirmières, le mariage. Et qu'est-ce que je peux encore ajouter? Très bientôt, je vous donnerai un petit-fils. Oh! Ça, c'est bien, ma fille qui parle. Hey! Aka, kaya! Aka, dioma, nene, la, yimbaye! Onde, vous veillez? Kene, lui, ali, de, vaine, tai! Ici, kene! C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi est-ce que tu n'es pas de bonne maman, humeur? Maman, c'est pas confortable. Je n'étais pas à l'aise. Tu n'étais pas confortable. Tu n'as même pas honte. C'est quoi ça avec toi? Mais vas-y maintenant, arrange-toi vite. Tu ne manques pas de raison, toi. Tu es toujours comme ça. Allez, vas-y maintenant. Mets-toi bien. Mets-toi bien. Et vite. Maman, s'il te plaît, laisse-la. Elle n'est qu'un enfant. Maman, il y a plein de trucs à mettre dehors. Fais seulement sortir. Je suis en train d'arranger aussi autre chose ici. Je me suis disputée avec une cliente. Elle a marchandé jusqu'à à me proposer 50 naira pour un basket d'oignons. Ce n'est pas normal. C'est une folle, non? Certainement. Et ce n'est pas. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'elle peut demander ça? Ne sait-elle pas combien on vend un seau d'oignons? Je ne lui ai même pas répondu. N'importe quoi. Hé, hey, maman. Pour le mariage de notre sœur, si je te dis ce que je planifie, tu me donnes trop d'importance. Elle verra ce que je veux faire. J'entraîne les filles qui seront sur la piste pour la danse. J'ai aussi pris les garçons de mon école. Ça sera terrible, maman. Hey. Oui, oh, maman. Hey, oh. Vous êtes vraiment prête. Oui, prêt, oh. Je suis vraiment prête. Je me Je vais appeler Liwekyu. Hey, maman. J'espère que tu ne te réfères pas à maman Diké. Je hais cette femme. Elle est tellement méchante. T'inquiète. En effet, je ne te dirai pas ce que je veux faire ces jours-là. Ah, maman, dis-moi non. Je ne le dirai pas. Je vais t'expliquer ce que je planifie. Si j'ose le faire, tu risques d'aller le faire à votre façon. Je vous connais bien, le jeune. Mais tu sais que le tien ne sera je vous connais très bien, que le mien, non. D'accord, on verra alors. Maman, j'aurais besoin de débassins de riz. Pour les répétitions des filles et des garçons d'honneur.
Le riz est qui? Oui, maman. Donne d'abord l'argent. Maman, ce n'est pas toi qui achètes ça, oh. N'oublie pas. Oh. Notre beau lui-même va l'acheter. Mais on ne peut pas les tuer, non? Parce qu'il ne s'en plaint pas, oh. Il ne s'en plaint pas. Tu sais que je n'aime pas ce genre de choses. Maman, tu vas aimer ça, oh. C'est le mariage de ta première fille. Tu dois donner le meilleur de toi, oh. Eh, oh. Hey. Ok. Ok. Ok, ok, papa, je pense que c'est Oui, très bien. Mais pour ça, nous allons voir. Ce n'est vraiment pas un problème, ok? Papa, merci beaucoup pour la liste. J'ai vu tout ce qui est dedans. J'ai tout lu. C'est bon, papa. Mmh. Je vais réunir tout ce qui est demandé sur la liste, papa. Tu es très satisfait, hein? Oui, vraiment satisfait de la liste. Bien. Tu es oui, un bon je vais garçon. Tout réunir. Mmh. Très bien, papa. Nous avons pris la liste, nous allons encore bien lire et puis nous allons donner le rapport à mon oncle, le seul oncle qui me reste. Et mon fils, dis-moi, avec qui tu es venu aujourd'hui? Oh, lui, c'est mon ami. Oui, c'est mon ami, ami depuis l'enfance. Bonjour. Oui. Oh, d'accord, son ami, nous sommes vraiment contents. Oui, c'est vrai. De nous recevoir ici. Merci, bienvenue. Alors, qu'en pensez-vous de bleu et blanc? Ha! C'est les uniformes de l'école primaire que je veux faire ou soit celle des secondaires. Faisons plutôt quelque chose de bien, quelque chose de sexy. Du genre, le blanc et le doré. Hey, Tioma, Tioma. Ça sera une combinaison parfaite. Ça sera très mignon. Ils vont nous sentir. Ma soeur, tu me connais bien. Nous connaissons la mode, c'est juste que l'argent ne s'est pas encore pointé, mais très bientôt, en soi. Les gens sauront. Ils vont commencer à demander « Chi, c'est quoi la couleur d'aujourd'hui ?» Et je vais les répondre « Le vert et les dorés, c'est classe. C'est ça exactement. Nous devons faire la différence. J'ai assisté à un mariage où les filles des fleurs avaient l'air vilains. C'est tout le monde qui s'est moqué à cause de l'air. Tu sais, c'est comme ces gens qui se baladent partout avec leurs tambours qui font « Tarara, 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 continuons avec nos arrangements. Vous ne pouvez pas continuer à rire ainsi. Tous les deux ne sont pas inclus, n'est-ce pas? Celle qui est chargée d'acheter des habits, elle doit prendre la taille de chacun. Comme ça, tout sera dans l'harmonie. Écoute-moi ça. Mais ce n'est pas pour tout le monde, toi aussi. Je t'assure. Tarara, 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 tarara. Grande sœur. Laisse-moi aller prendre de l'eau, je reviens. Allez. Ok, nous avons maintenu le rouge et le doré. Oui, on les fait comme ça. Ça va aller avec la danse qu'on va faire. Hey. Bébé, mais ce jour-ci, tu as vraiment l'air d'une infirmière. Bien sûr que je suis une infirmière en devenir. Oui, c'est vrai. Une infirmière personnelle. Oui. Avant que je n'oublie, maman a dit que le pasteur Bryce lui a dit que les enseignements du mariage vont commencer demain, de 9h à 11h, je pense. C'est demain? Mm-hmm. Mais demain, il faut que je sois au chantier. Tu vas commencer à fuir chaque oui, mardi. Oui, je comprends, chérie. Juste que j'avais presque oublié. Mais il fallait que tu parles au pasteur déjà fait. Oui. Très bien. Bon, je vais créer du temps demain. Ok? Oui, je me rappelle. C'est comment avec le matériel? Oh, j'ai oublié de demander à maman. Toi aussi, tu as oublié? Eh, je dois lui demander. J'ai perdu des vues. Je vais lui rappeler. Oui, je me disais, qu'est-ce que jusque-là nous n'avons pas encore fait? Parce que ces jours-ci, j'oublie vraiment beaucoup les choses. Il faut te rappeler au... ça sera vraiment merveilleux. Je sais, mais je vais beaucoup briller. Imagine. Alors nous serons timides ensemble. J'espère que je n'ai rien raté. Non, on parlait juste de mariage traditionnel. D'ailleurs, lève-toi, va là-bas. Allez, reviens, s'il te plaît. Non, c'est bon, mets-toi. Viens ici. C'est quoi, c'est quoi, viens. Je vais visiter les mariages traditionnels. Et tu comprends, non? Je serai en uniforme, ensemble avec Guidena, et on va commencer à danser devant tout le monde. Tu seras merveilleuse. Hé, arrête ça d'abord, s'il te plaît. Je sais que c'est votre jour, mais j'ai une chanson spéciale pour Guidena. Oh, vraiment? Tu vas chanter pour lui? J'ai apprêté une chanson pour lui. Ouais, j'aimerais l'entendre. You are my sunshine. Sia, ça veut dire quoi ce chant? C'est quelle bêtise que tu balances là? Depuis qu'on est devenu ton soleil, ce n'est pas à toi de lui faire ce genre de chant, c'est à la grande sœur, pas à toi. N'importe quoi.
une chanson insensée comme ça. Non, c'est bon. Grande soeur, tu peux chanter ce que toi tu avais prévu. Oui, c'est bon. Chante juste quelque chose. J'aime vraiment t'entendre chanter. Ok. Oui. Nothing can ever mean this world to me like family. Nothing can take away this bond we share forever. Whenever you're in need, just call and I'll be here. You are my blood, you are my family. We can't ever mean this world to me like family. Nothing can take away this bond we share forever. Whenever you're in need, just call and I'll be there. You are my blood, you are my family. 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 Merci, c'est ce que nous faisions ici. J'ai vraiment aimé. Nous sommes une famille, alors nous aimons nous unir avec cette chanson. Waouh, c'est vraiment très intéressant. Vous ne lui avez rien offert, qu'est-ce qu'il y a? Très bien, je veux dire, la chanson m'a emporté. Donc j'ai vraiment oublié tout ce que j'avais dans ma tête, j'ai vraiment tout oublié. Ok, je vais bien. Moi je me précipite pour une réunion, hein. Je veux revenir bientôt. Ok, maman. D'accord, maman. Au revoir. Très bien. Toi vraiment, tu ne changeras pas. Pourquoi tu es toujours derrière Jidenna? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es toujours là. Tu ne peux pas te mettre là. Fais beaucoup gaffe. Ouvre bien tes oreilles. Ok, maman. Au revoir. D'accord, au revoir, mon fils. Waouh, je ne savais pas que vous chantiez aussi bien. Ah oui, nous chantons. Waouh, c'est toute la famille. Vous avez de très belles voix. Et vous savez quand vous chantez. Merci. Il est possible d'amener le ciel sur la terre. Merci. 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 Tu es encore là à la maison? C'est déjà jeudi aujourd'hui, non? Tu ne pars pas à la répétition avec les filles de fleurs? Je me sens très mal dans mon esprit. C'est normal, ce sont les stress des préparations de mariage. Laisse-moi aller à la boutique chez maman. Elle m'a appelée et m'a demandé d'apporter pour elle ses bidons. Viens, à tantôt! Salut chérie. Chérie. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi. Je ne me sens pas dans ma peau toute la journée. Oui, je l'ai remarqué aussi. Je m'attendais même à ce que tu parlasses au pasteur après le cours du mariage. Il faut peut-être aller à l'hôpital. Je ne suis pas malade. Ojo a dit que je stresse. Mais elle peut vraiment avoir raison, tu sais, hein? Oui, ça doit être le stress. Chérie, excuse-moi, je n'ai pas vraiment donné mon attention à ça. Tu sais qu'avec la préparation du mariage, c'est vraiment assez pour moi. Je suis vraiment désolée. Arrête de dire que tu es désolée. Je me sentirai bien. Es-tu sûre? Ton corps n'est pas chaud. Ta température n'est pas élevée. Tu m'as vraiment fait peur. Quand on était dans la voiture, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle a cette fille? Parce que...
Je fais des arrangements pour la musique de la journée. Ce jour-là, il y aura deux différentes sortes de musique. Ogen et Angel. J'espère que c'est bon. Papa, je voulais dire quelque chose. Vas-y. J'aimerais suggérer oui. qu'à la place des histoires normales qu'on mange du genre le zinyam, papa, j'aimerais que ma sœur, Maadane, fasse quelque chose de différent. Pourquoi ne pas faire le zeu, un plat conçu avec le zeu, ce sera quelque chose de différent et ça, ça sera bien. Mm-hmm. Je suis sûre que ça plaira à tout le monde. Toutefois, tout se passe très bien par la grâce de Dieu. Amen. Ce qu'on doit maintenant faire, c'est chercher les gens qui vont nous couper le bois. Parce qu'on n'a plus assez de force. Merci énormément. Je suis fière de vous avoir pour une famille. Tu es ma damnée. Que je ferai n'importe quoi et pour toi. Et nous sommes aussi très contentes de t'avoir. Hein? Ojuwa, s'il te plaît, tu dois te réveiller très tôt demain. Tu dois me suivre demain au marché. Maman? Et qu'est-ce que moi je veux faire ici? Hein? Quoi? Arrête ça. C'est un jour spécial. Tu ne feras que dormir. Dormir comme une reine. Et nous, on fera tout. T'inquiète, on s'occupera de tout. Je suis d'accord avec Thioma. Le stress est vraiment ce que tu dois éviter. Mm-hmm. En cet instant. Alors je te conseille vivement de te détendre. Merci papa. Merci à tout le monde. De merci rien. À vous, ma de rien, famille. Chérie. Je vous aime énormément. J'espère que tu n'as pas oublié d'appeler ta maquilleuse. Ha! Moi, oublier ce genre de choses, est-ce possible? Je peux le faire seule. Oh oh, pas ça. Je vais m'occuper de ça. Je te ferai un make-up. Un make-up professionnel. Tu vas adorer. N'importe quoi. Tu es ma sœur. Mais grande sœur, moi, je c'est merveilleux. Ne te dérange pas. Ah! Eh, hey, Obian Ojo. Obian Ojo, qu'est-ce que tu attends là-bas? Chérie. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Mon mari, tu as vraiment oui, fini. Hein? Et, Judy est déjà en train de m'attendre. Je sais que le matin, c'est le meilleur moment pour acheter des vaches. Oh. Bien, je me dépêche. Ok, Nai. Tu te rappelles des Okene? Rappelle-toi de les appeler parce que c'est un peuple qui aime bien danser. Ona. Ok, merci. Dalo. C'est qui encore? Obian Ojo. Viens, dépêche-toi, on doit suivre ton père. Maman, je suis prête. Bonne fille. Nem, maman. Tu es prête, hein? Oui. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Hé, c'est quoi encore avec Obian Ojo? Dépêche-toi, ton père est déjà parti. Maman. Où est le sachet? Je suis en train de chercher une pelle derrière, mais je n'ai pas trouvé. T'inquiète, on va acheter un autre au marché. Allons-y. Votre père va parler. Allons-y vite. Maman, tu es très belle. J'espère que Julie ne voudra pas te prendre à ma place. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Pourquoi peux-tu dire de telles choses? Hein? Regarde maman, non? Elle brille tellement. Comment est-ce que tu peux dire ça? Hein? Donc quand Julie va entrer dans cette parcelle, ses yeux ne resteront pas rivés sur une très jolie fille comme toi? Madame, mais plutôt à maman. Mais pourquoi? Regardez-moi très bien. Une vieille dame comme moi. Pourquoi ne pas aussi me rendre belle et marcher de cette façon? Allons-y, mes filles. Grande sœur, mais qu'est-ce que tu racontes? Que Jidé n'a pas entré dans la parcelle et regardé ta vieille mère? Tu n'as même pas pitié de ta sœur, même si je ne le vais pas. Il est à toi. Il est fait pour toi. Ne l'oublie pas. Tu dois te reposer. Tu ne dois rien faire. C'est ton jour, ma jolie sœur. Merci, sis. Repose-toi bien. Bye. Ok, oh. Bonne allée à vous. Chama, qu'est-ce qui se passe? Chamara, mon ventre, j'avais mal depuis hier la nuit. Et aujourd'hui matin, j'ai vu mes règles. J'ai vraiment désolée, très mal. Désolée, hein. Pitié. Je dois rentrer à la maison. J'avais oublié de mettre la serviette. Mais Kenny, là, non? Il nous attend. Tu peux partir. Mais comment tu pouvais être aussi imprudente? Je t'ai dit que j'avais oublié. Pars. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Tu peux aller.
Oh, à peine. Ma soeur, je ne suis plus allée avec eux. Je ne comprends pas. J'ai très mal au ventre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Grande soeur, tu te rappelles de cette boisson? Ça n'a plus le même goût. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ce que je ne comprends pas. Goûte. C'est toujours pareil. Ah, bois-les dans ce cas. Laisse-moi aller à la toilette. Ok. Au temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. On l'a tué. Le monde est méchant. Non. Pourquoi vous avez tué ma fille? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi cette méchanceté? Non, le monde est méchant. Qu'est-ce que je veux dire sur ma fille? Bien aimé. Non.
Papa, maman, ces dernières semaines ont vraiment été troublantes pour moi. L'idée que Beremort est encore inconcevable pour moi. Alors j'ai décidé de rentrer à Abuja. Et vous n'allez même pas entendre que... Je n'arrive même pas à le croire. Ça va aller, mon fils. Je peux comprendre ce que tu ressens. C'est naturel pour chaque être humain. Je prie juste que Dieu puisse te donner la force. Et qu'il nous en donne à nous également. Ainsi que la fermeté pour surmonter cela. Et pas seulement ça. Ma prière spéciale pour toi, c'est que tu... Que Dieu te trouve une partenaire parfaite, mon cher fils. Je l'espère. Merci, papa. Tu es déjà un fils pour moi. Merci beaucoup. Maintenant que Béré est parti, Jide va devenir mien. Quand le désirable n'est pas disponible, la jolie disponible deviendra désirable. Oh oui, Jide n'aura pas d'autre option que venir vers moi. Parce que c'est bien ce que j'avais vu dans ses yeux. Hébert était venu juste tout gâcher. Elle était venue et pas, elle a tout foutu en l'air. Maintenant qu'elle n'est plus là, ce sera moi. Moi et moi, oui. As-tu réellement peur? Choma, comment pouvais-tu tuer ta sœur aînée à cause d'un homme? Es-tu contente? Grande sœur, ma sœur, s'il te plaît, pitié, ne me tue pas, non, ne me tue pas. Nothing can take away this bond we shared forever. Je suis désolée, ne me tue pas, ne me tue pas. Whenever you're in need, just call and I'll be there. You are my blood. Je ne veux plus chanter, non. Non, 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 grande sœur. Je suis désolée, désolée. Je suis désolée, ne me tue pas. Pitié, pardonne-moi. Juste, repose en paix. Jusqu'à ce que tu confesses. S'il te plaît, ma sœur, ne me tue pas, oh, ne me tue pas. Juste, meurs et pars en paix. Je vais confesser, je dirai tout, je dirai tout, je vais confesser. Franchement, je vous dis, c'est compliqué. Oh. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Hé, hey, mon mari, Nani. Tout ce qu'on a à faire, c'est être fort. Tu es grand. Maman, maman, papa, je vais confesser. Je dirai toute la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Je dirai toute la vérité. Mon Dieu. Oui, je dirai tout, je vais confesser. Confesser quoi? J'ai tué Béré. J'ai tué Béré. Oui, j'avais tué Béré par jalousie. Parce que Jide voulait l'épouser. Voilà pourquoi je l'ai tué. Je vais confesser, j'ai tout dit. J'étais jalouse d'elle. Je ne voulais pas qu'elle parte et qu'elle me laisse. Oui. Désolée, pitié, je vous en prie, pitié, mais ne me tue pas, pitié, j'ai tout dit, ne me tue pas, pitié. Hey, ça, ce n'est pas mon sang. Je suis désolée, ce n'est pas mon sang. Oh.
Je suis vraiment surpris. J'avais dit qu'elle a été changée à l'hôpital. Tu vois? Vous voyez maintenant la preuve? Mais je ne voulais pas te croire. Hey! 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 Qu'est-ce que ça veut dire, mon Dieu? Je ne vais plus pleurer. J'ai déjà beaucoup pleuré. Pourquoi ça, mon Dieu? J'ai beaucoup pleuré. J'ai assez pleuré. J'ai déjà assez pleuré. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Nothing can ever mean this much to me like family. Nothing can take away this bond we share forever. Whenever you're in need, just call and I'll be there. You are my blood, you are my family. Forever. When